room made the masses vibe with the Jackson 5. The choir done brought a shade of gray to the rhymes. Yeah, the black and white. Ain't you tired? Looking up to the sky while you cry. Asking why? Blind God. And I don't walk on water across the sea, but damn, I'm fly. Love, but damn, goodbye. Coucou mes biches, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui un peu plus tard que d'habitude, étant donné qu'il est déjà 4h moins quart. Si je fais cette tête, c'est parce que je pars maintenant faire un petit tour. Je sais que je n'aurai plus beaucoup de lumière, mais j'ai pas arrêté aujourd'hui. Honnêtement, ça a été une journée assez productive. Je suis plutôt fière de moi. Je suis allée faire ma première course de l'année et ma première course, je vais pas dire au monde, mais première course depuis au moins 6 mois, étant donné que début 2016 j'avais également commencé un programme du style Couch 2, sauf que là j'avais fait le 5 km. J'étais pourtant déjà pas mal avancée, mais pas besoin de vous le répéter, vous savez que j'ai abandonné en cours de route, donc cette fois-ci je compte sur vous. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais créer un hashtag pour faire une espèce de team. Je vous propose qu'on s'appelle la team des Fit Bibiches. Ouais. Écoutez, on s'amuse comme on peut. Hein. Pendant que j'étais en train de courir tout à l'heure, je me disais « ce serait bien que je mette une photo après sur Instagram ou sur Snap et que je leur en parle, qu'on puisse se motiver. » Parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir ce genre d'objectif d'être plus sportive et de me sentir mieux dans mon corps pour cette année. Bref, tout ça pour dire que ce matin, course, j'ai rangé totalement ma garde-robe, qui peut paraître un travail d'envergure. Mais en fait non, parce que depuis le déménagement, j'ai royalement 4 t-shirts, 3 blouses et 2 pulls. Je pense que je vais quand même me racheter quelques affaires au solde parce que j'aimerais bien avoir plus de basiques, des trucs que je peux interchanger, mettre ensemble, séparément, et moins de choses, comment dire, bariolées ou avec des motifs. Mais soit, j'ai fait ça aussi ce matin, et puis je me suis occupée beaucoup du montage du vlog que vous aurez vu hier, qui dure 25 minutes, ça ne m'enchante pas du tout, mais au final, c'est toujours quand j'ai l'impression qu'il va rien se passer que je passe le plus de temps à parler. Le fait de me maquiller en vous parlant, ça prend déjà un petit peu de temps dans la vidéo parce que ben, je vous raconte tout ce qui me passe par la tête. Et ensuite, on a reçu la box HelloFresh. Et donc, je me suis dit, bah, je vais pas attendre, je vais pas demander au Crowley d'attendre le lendemain. J'avais envie de vous le filmer pour voir, pour découvrir avec vous en vidéo ce qu'il y avait dedans. Donc, bah, ça a rajouté 10 minutes à la vidéo. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Vous avez déjà été quelques-unes à me dire que vous aimiez bien les longues vidéos, donc tant mieux si ça vous a plu. Mais aujourd'hui, à mon avis, ça va être un petit peu plus court quand même. Du coup, là, je m'en vais vers le magasin NYX. Hier, je vous ai dit qu'ils avaient sorti un nouveau fond de teint. Je vais aller jeter un œil en boutique. Étant donné que j'ai eu ma petite mésaventure encore à la laverie, je pense que j'aurai pas assez de sous pour faire et mes petites courses et éventuellement m'acheter le fond de teint. Mais je vais quand même aller faire du repérage. Et puis, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, il fait vachement beau. Ce matin, il faisait un petit peu frisqué quand je suis sortie, mais de toute façon, une fois qu'on se met à courir, on n'a plus froid. J'ai quand même gardé mon gilet, mais c'était tout à fait supportable. Mais le soleil est là, et honnêtement, par rapport à hier, ça n'a rien à voir. Je vais vous montrer tout de suite. C'est quand même nettement plus agréable d'avoir un temps pareil. Par contre, c'est très drôle. Je ne sais pas si vous la verrez bien, parce que je ne suis pas sûre que mon appareil va faire le focus, mais on voit déjà la lune. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rire. Ah, au fait, je vous ai pas dit les biches. Je me suis reconvertie dans la location de garage. Birds flying high. Sun in the sky, you know how I feel. Birds flying high. Enfin, c'est pas tout à fait mon bazar, hein.
la caisse à outils du Crowley. Mais c'est parce qu'il fait noir maintenant et je voulais terminer le vlog avec une lumière quand même potable. Et je voulais vous montrer que j'avais acheté le nouveau fond de teint de NYX qui s'appelle Control Total. Et c'est un fond de teint en fait avec une pipette, un compte-goutte. Et apparemment la couvrance est modulable. Il y a 24 teintes si je me souviens bien et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa d'avoir un éventail aussi large de couleurs. Je trouve que le flacon est super joli. Franchement, NYX n'a rien à envier à des marques plus chères. Ici c'est vraiment un compte-goutte. Voilà. La vendeuse m'a conseillé 4 gouttes pour une couvrance optimale. Ici je vois que 2 gouttes c'est... Ils mettent light, clair. Ça ne veut pas dire que le fond de teint va être clair ou foncé, c'est léger plutôt. Medium, moyen, 3 gouttes et couvrant, 4 gouttes et plus. Il y avait un pinceau spécial vendu avec. Ça m'a un peu fait penser au pinceau de Marc Jacobs qui avait été vendu avec le Remarquable, je pense, avec une espèce de petit trou au milieu. Seulement, je ne voyais pas bien la forme du pinceau parce qu'il était emballé, il n'y avait pas moyen de le voir déballer. Je n'allais pas déballer un nouveau pinceau dans le magasin. Le fond de teint coûte 14$, le pinceau aussi. Je n'ai pas pris le pinceau parce que je ne connais pas du tout la qualité des pinceaux NYX. Et que je me suis dit que pour le même prix, je pouvais en acheter un Real Techniques. Donc si vous avez déjà testé des pinceaux NYX, surtout n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi si vous en êtes satisfaite. Parce que c'est vrai que le pinceau Marc Jacobs me faisait vraiment de l'œil. Je trouve qu'il a l'air vraiment bien pour appliquer le fond de teint. Mais je ne sais plus combien il coûte, mais il doit coûter aussi cher que le fond de teint. Ici aussi, sauf que c'est 14$, donc... J'attends vos retours, si vous en avez. Moi, je vais tester celui-là, en attendant peut-être de m'en acheter un autre si je ne suis pas satisfaite. Mais je me disais que pour 14$, je pouvais bien faire le test. Et puis, c'est une nouveauté, donc ça fait toujours plaisir de tester des choses nouvelles. Je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ce test. Ce sera une première impression, du coup. J'ai pris la teinte Light, et j'avais swatché la teinte Light, Ivory et Light sur mon avant-bras, ici. C'est toujours là qu'il faut swatcher, parce que c'est là que votre peau est la plus claire. Par rapport à là, en général c'est pas la même couleur que votre visage. Honnêtement, les deux avaient l'air bien, peut-être Ivory un peu clair. Et après la vendeuse m'a conseillé le light. Donc je me suis dit ça va, j'ai quand même eu l'œil, hein, en espérant que ça aille. Vous verrez ça à la lumière du jour, ce sera beaucoup mieux qu'ici avec les parapluies. Et j'avais ça dans la boîte aux lettres et je me suis dit pourquoi pas ouvrir avec vous. Parce qu'en fait c'est une housse de coussin. J'avais craqué quand je l'avais vue sur le net. Je l'ai trouvée sur Amazon. Je me cache derrière pour que vous puissiez lire. Ça dit « More issues than Vogue » et c'est un jeu de mots en fait parce que « issue » ça veut dire « problème » et en même temps c'est comme ça qu'on parle d'un magazine. Donc un magazine qui sort c'est « an issue » et donc ça veut dire en fait plus de problèmes qu'il n'y a de magazine Vogue. Voilà. J'adorais la phrase, je me suis dit que ça ferait un chouette coussin à mettre dans ma petite pièce ici même. Faut encore voir si j'arrive à rentrer le coussin dans la housse que j'avais acheté. J'avais acheté ça. Mais sans housse, ça fait un peu bête. Bon, c'est pas la matière que je pensais, par contre. Je pensais que ça allait être une matière style coton, mais non, c'est du synthétique. Enfin, c'est pas très grave, étant donné que c'est juste pour décorer. C'est pas que je vais dormir dessus. Et puis c'est blanc, donc ça c'est bien quand on a des chats blancs. J'aimerais bien avoir de la déco noire, mais avec des poils blancs partout, pas idéal. Je dois en recevoir un deuxième, d'ailleurs, il me semble. Je me souviens plus maintenant. Je me souviens plus si j'en ai commandé deux, comme ça, ou si j'en ai commandé qu'un seul. Par contre, il faudrait bien que je passe un petit coup de steamer dessus, parce que les plis, c'est pas très joli. Ça va, la taille est bonne. On va essayer de pas casser, parce que c'est un truc que j'ai dû payer royalement 2 ou 5$, je sais plus. Je sais plus. Voilà, magnifique. Je vais pouvoir le mettre dans mon petit décor une fois que j'aurai rangé tout le bazar autour de moi. Ça donnera bien. Super, je suis contente. Sur ce, mes petites biches, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que le vlog vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les pinceaux NYX, parce que je dois bien vous dire que même si je suis une grande fan de la marque, je n'ai jamais testé un de leurs pinceaux. Et s'ils sont bons, je ferai bien une petite razzia là-bas. J'attends vos commentaires. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.